Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est votre coach Sensei Katsuni. Je vous retrouve aujourd'hui pour la séance 26 de l'Abdo & Booty Challenge. Au programme aujourd'hui, une séance core training. Ça va être cool, vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui au programme, une séance core training. Vous vous rappelez, le core training, c'est tout ce qui est travail de la sangle abdominale, okay, les muscles posturaux. Donc le core training, vous rappelez, c'est tout ce qui est travail des muscles posturaux, des muscles profonds. Là on va cibler sur la sangle abdominale. Donc la séance d'aujourd'hui, elle va être simple, il va y avoir un seul bloc, il va y avoir 5 exercices. Les débutants, il faudra faire 2 fois ce bloc, les intermédiaires 3 fois et les confirmés 4 fois. Vous faites une fois le bloc, ensuite vous prenez 3 minutes de récupération et vous recommencez. D'accord ? Les exercices qu'on va faire, c'est des exercices qu'on a déjà fait, mais cette fois-ci, on va les pousser un peu plus loin. Ça va bien piquer. Je reviendrai dessus juste après l'échauffement. L'échauffement, il va être court, il va être tranquille. D'accord ? Allez, on y va. Le prayer, donc à genoux, on pousse les fesses en arrière, on tire les... On va chercher vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On vient ici. Je sors la jambe gauche, la main au niveau du genou et je pousse vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je change de jambe. Et go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Très bien. Mets debout. Ici, tourne le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, tourne un peu les chevilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Alors, pour la séance de jour, c'est core training, un seul bloc, 5 exercices. On va commencer avec du gainage, 1 minute. Vous vous rappelez, les précédentes séances, on avait fait 30 secondes, 45 secondes. Là, on est parti pour 1 minute de gainage. Ça devrait être possible. Donc, gainage ici, 60 secondes. N'oubliez pas, je commence d'abord en gainage classique. Et dès que je sens que mon dos commence à se creuser, je pose les genoux et je continue de travailler. Ok. Commencez d'abord en gainage classique, après vous posez les genoux. Ok. Là, on va enchaîner avec exercice dynamique et exercice statique. Donc ensuite, ça va être les L sit-up. Donc position de L sit-up, on est ici, on part pour faire 15 L sit-up. Dès que j'ai fini les 15 L sit-up, je bloque en position haute ici 20 secondes. Tac, et je relâche. Ensuite, on est parti pour faire mon exercice préféré, ok, le switch leg. C'est comme le double leg extension. Donc je suis ici. Donc ça, c'est la position de double leg extension. Switch leg, j'ai les bras tendus, donc soit j'ai ma bouteille d'eau ou une charge, et pour le décoller, ce que je fais, je ramène une jambe, hop, là, ça fait 1. Je dois en faire 10. Dès que j'ai fini
les 10. Là, je reste ici, je lève les épaules et c'est parti pour 20 secondes de gainage. Tac. Donc là, ça va bien travailler aussi. Ensuite, on est parti pour travailler les obliques. Donc, on enchaîne tout de suite avec gainage balance. Donc, on est ici, gainage balance. On en fait 15. Et dès qu'on a fini, 15 secondes en gainage leg raise par côté. Et après, on terminera avec votre exercice d'abdos préféré, les portefeuilles. Dans cette position, 15 portefeuilles et je termine avec le hollow body, le hollow body hold, ok? Donc, je dois rester là, le dos plaqué au sol, je dois garder les jambes tendues, ok? Les jambes tendues. Pour l'instant, vous devez choisir le niveau de votre jambe où votre dos ne se creuse pas. Donc, si vous avez les jambes tendues ici, pareil, là, je vais chercher. Sinon, je peux redescendre un peu les jambes si je maîtrise. Là, et hop, je vais chercher 20 secondes. Le tout, c'est garder le dos à plat, bien à plat, sortir les épaules et bloquer là. Ou mettre les bras en arrière. En tout cas, c'est fait pour travailler vraiment le grand droit, la brioche, là. D'accord? Donc, tout ceci, moi, je vais répéter une seule fois. Les débutants, vous allez faire ça deux fois, les intermédiaires trois fois, les confirmés quatre fois. À la fin des 5 exos, 3 minutes de récupération et c'est reparti. D'accord? Donc si vous êtes prêts, on y va. Donc on commence par le premier exercice. C'est parti pour les 1 minute de gainage. 60 secondes. 3, 2, 1, go. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ça fait une minute, on pose. Pour beaucoup, ça va être la première fois que vous tenez une minute de gainage. Si vous tenez une minute de gainage, tranquille, c'est super. Si vous avez posé, j'espère que vous avez posé après les 30 secondes, que vous avez tenu au moins 30 secondes. Ok, on poursuit la suite avec les L sit-up suivi de 15 secondes de hold en position haute. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On relâche. Ça picote fort. Hein. Là, on est parti pour les switch legs et le double leg extension. Donc pour le switch leg, comme j'ai dit, vous pouvez rajouter une charge extérieure. J'ai pris ma charge extérieure, donc c'est mon petit rouleau d'automassage, pour pouvoir garder les bras tendus ici, donc vous pouvez le faire avec une bouteille d'eau. Donc, bras tendus ici, je lève les épaules, le dos bien plaqué, les jambes à 90, et là je suis parti. Je ramène. 1, 2, 3, 4. Bras tendu. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Je pose. Et là, c'est parti. 15 secondes. Je vais chercher 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15. Ouh. On ressent bien la sangle abdominale. On enchaîne pour le quatrième exercice, le gainage balance avec le leg raise. Donc, pour celui-là, gainage balance, bien entendu, on doit être en équilibre. Si je suis débutant, je pose les genoux et là, le gainage est resté bien aligné. Je descends, je remonte. Je descends, je remonte. Et pareil pour le leg raise, je devrais lever la jambe comme ceci. Encore, je ne sais pas si c'est mieux parce que ça pique autant, mais ça permet de travailler. D'accord ? Donc, on va faire 10 gainages balance. Les 20 secondes de leg raise. Les 20 secondes, ça va être horrible. Ok, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et je l'avais dit, c'est horrible. On est parti de l'autre côté. 3, 2, 1, iso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On pose. Hop, très bien. Et on termine le bloc avec les portefeuilles et suivi de hollow hold. Ça aussi, ça va bien piquer. Allez, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tout de suite, on enchaîne. Donc, si vous avez du mal encore, vous gardez les jambes tendues, les bras vers l'arrière. On enchaîne. Donc si vous avez du mal, jambes tendues, les bras vers l'arrière. Ok, là, comme ceci. Si je commence à maîtriser, j'essaie de chercher la position où je peux garder mes jambes les plus basses en gardant le dos à plat. Et là, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouh. Ouh là là, ça va pas être facile, mais vous allez y arriver. D'accord ? Comme je vous dis à chaque fois, je sais que pour certains débutants, quand ils voient ouais, deux fois, trois fois, ça semble insurmontable. Mais c'est le but en fait. C'est fait pour vous faire des. C'est fait pour vous dépasser vos limites, que vous franchissiez ce cap, d'arrêter à chaque fois, d'avoir peur parce que ceci, parce que cela. Si on veut progresser, il faut se challenger. Il faut dépasser ses limites. Allez-y à votre rythme. N'essayez pas de suivre mon rythme. Allez-y à votre rythme, travaillez, faites de votre mieux. Mais au moins essayez, ne dites pas, oh non, je peux pas, faites-le. Après, vous serez content, ça sert à rien.
Et là, on est à la 26e séance. Il faut que maintenant qu'on arrête de dire oh, ça pique, ça fait mal. Il faut que ça pique. Parce que si je vous fais faire une séance light comme aujourd'hui, première truc, il va dire oh, mais vas-y, mais tranquille, mais ça pique pas. Donc il faut savoir. Quand ça pique, on n'est pas content. Quand ça pique pas, on n'est pas content. Donc l'entraînement, il est intelligent. Il y a des jours, on va être en haute intensité. Des jours, on va être en basse intensité. Mais c'est pas parce que c'est basse intensité que ça va moins travailler. On va travailler plus en profondeur. Il y a les muscles superficiels et les muscles profonds. Comme ils sont profonds, il faut aller les chercher. C'est des séances beaucoup plus ciblées, beaucoup plus calmes. Mais c'est tout autant efficace. D'accord ? Petit rappel. Les débutants, vous devez faire ça deux fois, donc encore un tour de plus. Les intermédiaires, trois fois. Et les confirmés, quatre fois. À la fin, quand vous avez fini les cinq exercices, vous prenez trois minutes de repos et c'est reparti. D'accord ? Là, on va passer tout de suite aux étirements. Pour les étirements, attention, je vous montre un nouvel exercice d'étirement, vous allez avoir peur. Mais tout d'abord, on commence par la base. Ici, tête vers l'arrière. On y va 15 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Pousse. Là, je me mets sur le ventre, la jambe droite, la bascule du côté gauche et j'essaie de garder le corps droit. C'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, je relâche. La jambe gauche bascule du côté droit. Allez, parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Très bien. Ici, je vais étirer, je vais attraper la pointe des pieds et je vais chercher devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On se met debout comme d'habitude. On attrape derrière les mollets et on va chercher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, très bien. On relâche, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on remonte. Cheville, tibia, genou, cuisse, abdomen, grande inspiration, je passe sur le point des pieds, je tends les bras vers le ciel, je relâche. 10 secondes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go, je remonte, cheville, tibia, genou, cuisse, abdomen, grande inspiration, je bloque l'inspiration, je passe sur le point des pieds, je me grandis, je relâche et j'expire. Voilà, la séance 26, elle est terminée, c'est une séance ciblée sur le corps, donc on travaille le corps, c'est basse intensité, c'est plus spécifique, n'oubliez pas, débutant deux fois, intermédiaire trois fois, confirmé quatre fois. 26e jour de challenge, c'est très bien. J'ai réussi à tenir 26 jours, mettre des vidéos d'affilée. C'est super. J'espère que vous avez apprécié toutes ces 26 séances. Il nous en reste 4. On va se donner à fond. Les 4 dernières, ça va être monter en niveau progressif. La 29 et la 30, je vous garantis, ça va être l'horreur. Là, vous allez voir si vous avez vraiment progressé. Et je pense qu'elles vont durer super longtemps. Donc entraînez-vous bien, profitez de cette séance qui est plutôt cool. Demain ça va être un peu plus hard, mais c'est ça qu'on aime. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, un pouce bleu, ses impressions en commentaire. On s'abonne à ma chaîne YouTube, on active les notifications. On me suit sur mes autres réseaux sociaux, ma page Facebook, Chancel Gatsoni, le groupe Facebook, Team Chancel Gatsoni, le compte Instagram, Chancel Gatsoni, le compte Twitter, le
compte Snapchat Chancel Gatsoni également. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne séance. On se retrouve demain pour notre vidéo. Et comme d'habitude, travail, rigueur, discipline. Pas de semblant.